Le nom de Donald Trump va-t-il disparaître des bulletins de vote au Colorado et possiblement ailleurs? C'est la question à laquelle les juges de la Cour suprême des États-Unis doivent répondre. Richard, la tendresse a écouté les arguments des deux parties aujourd'hui. Et à première vue, Richard, les juges se sont montrés sceptiques là, face à la possibilité d'exclure Trump du système électoral. Oui, et un scepticisme, Sophie, une méfiance là, qui concernait autant les juges conservateurs que ceux... qu'on estime plutôt progressiste. Alors, ça ne suivait pas des lignes partisanes. Par exemple, Sophie, là, je vais vous préciser ça dans un instant, mais il y a tout le concept d'insurrection. Si on ne réussit pas à s'entendre à savoir si le 6 janvier 2021, cet assaut contre le Capitole était une insurrection à bonne et due forme, difficile par la suite de dire que le 14e amendement concerne Donald Trump, puisqu'il porte cet amendement-là sur le fait d'exclure de la vie politique des gens qui ont encouragé une insurrection contre le gouvernement central, contre le gouvernement américain. On s'est aussi interrogé à savoir si ce n'était pas donné beaucoup de pouvoir à un seul État que d'exclure ainsi un candidat. Dans l'avenir, on peut très bien imaginer, on évoquait les juges, qu'un État ou un autre, pour une raison ou une autre, un incident ou un autre, jugé insurrectionniste, on exclurait un autre candidat. Alors, vous voyez à peu près le ton, là, on hésitait à aller de ce côté-là. Il y a tout de même la secrétaire d'État du Colorado qui se trouvait sur place, bien sûr, et à ses yeux, c'est assez clair que Donald Trump répond aux exigences mises de l'avant par ce 14e amendement. We are only here because Donald Trump decided to engage in insurrection instead of accepting his loss. We are only here because there's an unprecedented situation. A president who decided that he would steal the presidency from the American people. I don't believe that the president is a get-out-of-jail-free card, and I hope the justices hold him accountable. Sophie, Donald Trump se trouvait à Mar-a-Lago tout de suite après les arguments, à la fin de toute... ça a duré 2 heures, 2 heures 15 minutes. Il a fait un point de presse dans lequel il s'est dit confiant que les juges de la Cour suprême allaient aller dans son sens. Écoutez-le bien. Well, I'm a believer in our country, and I'm a believer in the Supreme Court. I listened today, and I thought our arguments were very, very strong. An argument that is very important is the fact that you're leading in every race. Et il a poursuivi, Sophie, Donald Trump, j'arrête là parce qu'il a continué, on mène par-ci, on mène par-là, on mène dans les primaires, on mène à la présidentielle. Mais il n'a pas tort sur un point, c'est-à-dire, si la Cour suprême tranchait à faveur du Colorado, ce sont des dizaines de millions d'électeurs, c'est la démocratie qui serait remise en question et tous ces gens qui souhaitent soutenir Donald Trump. Ouais. Par ailleurs, Richard, le président Biden échappe à des poursuites pour sa mauvaise gestion de documents confidentiels. Oui, sauf que c'est une décision qui risque de le hanter, Sophie. Je vous le dis rapidement. Effectivement, le procureur spécial qui enquêtait sur tout ça, Robert Hur, a estimé que cette mauvaise gestion de documents ne justifiait pas une inculpation. Sauf que quand on lit le document, on voit là, qu'à plein de moments, le président oublie quand il était vice-président, oublie quand son fils Beau est décédé, oublie comment ça s'est passé dans la gestion de la crise en Afghanistan. Alors, ça risque de, justement, être un boulet qu'il va traîner, ces pertes de mémoire-là. Ouais.